Monsieur le Président, comme le Québec n'est pas un pays, encore, il est à la merci des décisions d'Ottawa dès qu'il est question de fiscalité internationale. Aussi, la décision de l'Agence du revenu d'amnistier une vingtaine de millionnaires qui cachaient leur argent dans les paradis fiscaux prive le Québec de revenus dont il a bien besoin. Le gouvernement est-il conscient que ces petites tractations, ça signifie moins d'argent en santé, moins d'argent pour les CPE, pour l'éducation? En est-il conscient? Bravo! Honorable ministre du Revenu national. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, ça va me faire plaisir de répéter pour mon collègue qui n'a pas compris ma réponse tout à l'heure. Il n'y a pas d'amnistie, il n'y a pas deux types de règles. L'agence a mis à jour le stratagème, l'agence a vérifié les contribuables, l'agence a lancé les actions en justice. Le dossier n'est pas terminé, c'est un dossier qui est actif, Monsieur le Président. Bravo.